Tout individu doit se sentir relié à la communauté, que ce soit sa famille, pietas erga parentes, ou l'État, pietas erga patriam. À chacun son dû, car le passé n'est jamais dépassé. Et cette fidélité est réciproque, ascendante et descendante. Elle engage le citoyen lambda comme tous les chefs politiques, civils ou militaires. La pietas garantit la bonne entente des êtres au sein de la cité et elle ménage la bienveillance des dieux. Notre invité est aujourd'hui Xavier Darcos, plusieurs fois ministre et ambassadeur, universitaire et auteur d'essais sur l'histoire littéraire, l'école, la poésie et la latinité. Membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, Xavier Darcos est depuis 2018 chancelier de l'Institut de France. Bonjour Xavier Darcos, ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour Soumaya, merci de cette jolie citation et je suis ravi de vous retrouver. Elle est de vous, hein? Elle est de vous en même temps. Donc Xavier Darcos, avant de venir à la pietas et à son rapport avec les valeurs actuelles, j'aimerais aborder avec vous ce passé qui n'est jamais dépassé. Vous êtes le dernier d'une famille de 8 enfants et le préféré, paraît-il, né sous une bonne étoile pendant le feu d'artifice du 14 juillet. C'est exact. Comme disait le regretté Jean-Louis Dabadie, il faisait nuit quand j'ai vu le jour, puisque c'était pendant le feu d'artifice en pleine nuit. Oui, mais écoutez, je dis que le passé n'est jamais dépassé parce que moi je suis très habité par la culture classique, par mes lectures, par le fait que pour moi, ce qui a été réalisé par nos prédécesseurs est important. La mémoire, le patrimoine, l'histoire, la littérature, les beaux-arts, les grands tableaux, les grandes œuvres. Et aussi parce que, comme vous l'avez dit, je suis très étonné que vous ayez perçu tout de suite cela, je suis attaché à ce que vous appelez la pietas, ce que les latins appellent la pietas, c'est-à-dire le fait que nous sommes tout le temps habités par ceux qui nous ont précédés ou par ceux qui nous entourent et que nous avons des devoirs envers eux. Bon, mes parents sont morts il y a déjà quelques années et il ne se passe pas une journée que je ne pense à eux ou que je ne les cite ou que je me réfère à quelque chose que j'ai vécu avec mon père, avec ma mère, au point que ça agace mon entourage. Mais je suis, de ce point de vue-là, convaincu, en effet, que le passé n'est jamais dépassé. Sinon, enfance très ordinaire, on va dire, chef de bande, oui. La bande du Monu, et adolescence parmi les Arlequins. Oui, la bande du Monu, c'est parce que nous nous réunissions avec mes camarades pour chahuter, pour s'amuser, dans un grand jardin public où se trouvait un monument aux morts, et donc ça s'appelait la bande du Monu. Et les Arlequins, c'était une troupe de théâtre que nous avons créée lorsque j'étais jeune lycéen. Nous faisions du théâtre amateur, tout ce qui est de plus amateur. Mais ce sont aussi des souvenirs absolument merveilleux. Je dirais même que c'est presque des meilleurs souvenirs que j'ai du lycée, parce que le lycée des années 60, en province, c'était quand même pas... C'était plutôt le compactage que l'ouverture d'esprit. Donc, il était utile que nous ayons ce genre de moments pour se détendre et pour faire autre chose. Si l'on s'en tient à l'enquête d'un jour de Jean-Louis Dabadie qui vient de nous quitter lors de votre entrée à l'Académie française, lors de votre entrée au lycée, votre mère a été convoquée pour lui signifier qu'il était encore temps de vous réorienter vers une filière professionnelle manuelle. Absolument, parce que comme je bougeais tout le temps et que je trouvais les cours de français ou d'histoire très ennuyeux, le censeur, ça s'appelle censeur, c'est le numéro 2 de l'établissement, il dit écoutez, il est très sympathique votre fils, mais enfin, il ne peut pas faire d'études, vous le voyez bien, c'est un garçon qui est trop agité, il n'est pas du tout concentré sur les choses de l'esprit, vous devriez en faire un manuel. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, mais il y avait une bonne intuition, c'est que j'ai gardé une grande passion pour le bricolage et pour les choses que je fais moi-même. De fait, je suis peut-être un manuel contrarié, c'est possible. Et dans votre jeunesse, vous avez voulu être un musicien, même vous avez pensé un certain moment à devenir musicien professionnel. Oui. Vous jouiez dans des paroisses et vous jouiez de l'orgue d'ailleurs. Je jouais de l'orgue. Ce qui vous a détourné de ce destin de grand musicien. Mon père, pris d'un grand moment de lucidité, m'a dit « Mais enfin écoute, c'est complètement ridicule, tu ne vas pas faire ce métier de saltimbanque, en plus tu n'es pas assez doué, il faudrait que tu te lances dans des études au conservatoire et tout ça, ce n'est pas tout pour toi, tu vas faire un vrai métier et tu ne vas pas être musicien. » Et donc je me le suis tenu pour lui et il avait raison évidemment.
je ne serais peut-être pas complètement épanoui dans ce métier, même si j'aimais beaucoup la musique. C'était un rêve d'enfant tout de même. Et votre père d'ailleurs pensait que la musique était un art. C'est un bruit qui coûte inutile et qui coûte cher. Voilà. C'est exactement ce qu'il m'avait dit. La musique est un bruit inutile qui coûte cher. Tu vas faire un vrai métier. Donc, de votre mère, vous avez hérité la mélomanie, mais aussi l'amour de la cuisine. Oui, et la broderie, est-ce encore elle? Vous avez un CAP de broderie. Mais comment savez-vous ça? Mais c'est parfaitement vrai. Je vous l'ai dit, travailler de mes mains, et j'ai passé un CAP de broderie, ce qui peut paraître un peu bizarre. Je l'ai. Et non, de ma mère surtout, plus que la cuisine, j'ai évidemment hérité de sa passion pour la musique et la poésie. Maman jouait du piano. C'est l'époque où il n'y avait pas de télévision, c'était des familles nombreuses de province. Le soir, on était tous autour du piano. Maman jouait, surtout chantait des mélodies ou des chansons de l'époque. Et c'est évidemment ce qui m'a marqué le plus dans mon enfance, je crois. C'est la mère musicienne et chanteuse qu'elle était, et merveilleuse cuisinière, en effet. Enfin, tous les hommes considèrent que leur mère était la meilleure cuisinière du monde. Mais c'était vrai pour moi aussi. Dans l'extrait de Virgile, notre vigie que j'ai choisi comme exergue, vous parlez de la pietas, justement, la vertu romaine. Vous en parlez dans le cercle familial, mais aussi dans un cercle plus large. Vous considérez que c'est la garantie de la bonne entente des êtres au sein de la cité, Xavier Darcos. Oui, l'idée de la pietas, c'est une idée complexe. C'est-à-dire, c'est cette idée simple qu'on n'est pas seul. Et que non seulement on doit beaucoup à ceux qui nous entourent, on a reçu d'eux, on ne peut pas se comporter n'importe comment si on veut être dans leur lignée ou être digne de ce qu'ils nous ont donné, mais que c'est vrai aussi pour ceux qui sont responsables et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que leur conduite doit être dictée par l'idée que les autres sont une part d'eux-mêmes. Et donc, ils doivent se conduire, on peut se conduire avec respect vis-à-vis de ses parents, mais quand on a un chef d'État ou un chef tout court, on doit avoir le même respect vis-à-vis de ceux qui vous sont subordonnés. Quelque chose relie des êtres qui est plus fort que la hiérarchie ou que le pouvoir. Et cette idée centrale de la pietas, de la piété, est une idée qui était très importante dans la mentalité latine, notamment autour de la figure d'aîné, le héros aîné, puisque la légende à laquelle croyaient les Romains, c'est que Aîné avait quitté Troie, la ville de Troie, au moment où elle était détruite définitivement. Il avait pris les pénates, c'est-à-dire les souvenirs de ses ancêtres, dans les cendres de Troie, et il était parti pour un long périple, et il était venu s'installer dans le Latium, où viendra ensuite se créer Rome, et il avait décidé de continuer cette lignée des Troyens à Rome. C'est ça la pietas, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu avant ne doit pas disparaître. J'emporte les traces de mes ancêtres depuis la ville de Troie et je les amène en Italie où on créera une nouvelle Rome, une nouvelle Troie en fait. Et donc cet adjectif qu'on attribue toujours à Aîné, on dit le pieux aîné, pius aeneas, la pietas. La pietas, cette vertu romaine que vous préconisez, n'a-t-elle pas été remplacée dans notre système moderne de valeurs par la citoyenneté, l'état de droit? Quelle place aurait la pietas dans notre système actuel? Vous avez raison, la notion de fraternité, par exemple, dans la République française, est une notion de citoyenneté, où la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, se rapproche beaucoup de la piété antique. Mais cette piété, au sens latin, j'entends, elle est quand même dictée par un impératif moral. Dans la citoyenneté, c'est plutôt l'idée, nous sommes tous égaux, nous avons les mêmes droits, et aussi les mêmes juridique. Devoirs. C'est plus juridique. Politique. Alors que dans la piété, il y a l'idée qu'il y a la sympathie, l'empathie, le sentiment que lorsqu'on a plus, on doit donner plus, l'interdépendance des êtres. Le fait qu'on peut apprendre des humbles, le fait que ce sont souvent, il y a ici une fondation à l'Institut de France qui avait été créée par le père Levensky qui disait toujours que ce sont aux pauvres de nous enseigner comment vivre et non pas aux riches. Ça, c'est une notion liée à la pietas,
Hein, ce sont ceux qui souffrent le plus qui peuvent vous apprendre le plus. C'est autre chose que la citoyenneté, vous voyez. C'est une valeur morale plus éminente, me semble-t-il. Mais évidemment, vous avez raison. Les notions modernes de citoyenneté et de fraternité rejoignent beaucoup cette idée morale latine. La modernité de Rome, l'actualité des Romains, est un thème qui traverse votre œuvre, que vous parliez d'Ovide, de Virgile ou même de Tacite. Oui, parce que les œuvres auxquelles je m'intéresse sont des œuvres quand même un peu monumentales et qui ont été des testaments. L'Énéide, par exemple, l'œuvre de Virgile, c'est un testament de la latinité. Les Annales et les Histoires, les deux grands livres d'histoire de Tacite, c'est toute l'histoire du monde romain moderne. Et donc, ce sont pour moi un peu comme on lit des grands textes religieux, ce sont des textes qui ont la prétention de tout contenir. Et donc, si nous sommes différents du point de vue historique ou du point de vue technique, technologique, nous ne sommes pas différents fondamentalement. Un Romain du 1er siècle, sur le plan de la nature humaine, il n'est pas différent d'un Français ou d'un Tunisien de 2020. Nous sommes les mêmes. Ontologiquement, fondamentalement, nous sommes les mêmes êtres. Et donc, en lisant ces grands textes, je trouve qu'il y a une lueur, une clarté et qui éclaire la nature humaine dans son éternité. Plus que de lire un roman d'actualité ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est mon impression, en tout cas. Mais encore, les soubresauts que vit le monde actuel rendent Virgile, qui a vécu les mutations, qui a vécu le basculement, très, très actuel, quand même. Oui. Vous avez raison, la période en tous les cas qui va de la chute de la République romaine, c'est-à-dire en gros vers 80 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'installation définitive de l'Empire, jusqu'à la mort d'Auguste, disons en gros 15-20 après Jésus-Christ, c'est ce siècle-là, ce siècle de bascule, est un siècle qui a connu énormément de mutations de soubresauts politiques, d'ambition, de dictature, de coups d'État, de ce qu'on appelait la guerre sociale aussi, le fait que tout le monde voulait participer à la citoyenneté romaine, y compris les alliés de Rome. Alors, tout cela nous rappelle beaucoup de choses. Un peu comme nous avons connu en Europe, entre 1780 et 1850, disons, les siècles où tout bouge, en tous les cas en France. La génération qui, en France, avait 20 ans à la Révolution, c'est-à-dire la génération de Napoléon et de Chateaubriand, ils ont connu l'ancien régime à plein jusqu'à leurs 20 ans. Ils ont connu la Révolution française, ils ont vu la mort du roi, ils ont vu la terreur, ils ont vu le consulat, ils ont vu l'Empire, ils ont vu la chute de l'Empire, ils ont vu leur restauration, ils ont vu les 100 jours, puis la re-restauration, puis ils ont vu la Révolution industrielle. C'est le cas de Chateaubriand. Donc, ils ont connu une mutation absolument énorme. Eh bien, cette génération qui avait 20 ans de la Révolution française, c'est une génération qui a connu une mutation historique assez comparable à ce qu'a pu connaître la génération de Virgile, qui a vu en effet la République, les guerres civiles, les ambitions césariennes, l'assassinat de César, la montée du pouvoir personnel et l'empire d'Auguste. Et donc, ils ont vu une mutation politique absolument énorme. Mais très actuelle aussi, la réflexion virgilienne qui traverse toute son œuvre aussi sur le rapport passion, ordre, position de principe, stabilité. C'est un sujet brûlant aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. La solution de Virgile est-elle la voie de la sagesse? Parce que Virgile a fini par se ranger, par accepter le pouvoir personnel, par vouloir la stabilité plus qu'autre chose, l'ordre plus qu'autre chose. Oui. Est-ce la voie de la sagesse? Enfin, Virgile, comme presque tous les Romains qui lui étaient contemporains, ont tellement souffert des guerres civiles, de la violence des guerres civiles romaines dont on ne peut pas se faire une idée, des proscriptions. On publiait des listes de gens qu'on avait le droit d'assassiner, et si le premier qui l'assassinait récupérait la fortune du type qu'il tuait. Donc tout ça était une violence absolument insensée, que finalement ils ont préféré avoir la paix, l'ordre, la stabilité, la pax romana, la paix romaine, en cédant une partie de leur liberté. Et au fond, l'idée que l'empereur s'impose de lui-même parce qu'on est plus heureux avec de l'ordre que dans la guerre civile, cette idée s'est imposée presque à tous les Romains. Et elle a servi de modèle politique à beaucoup
de régime autarcique ou de régime monarchique. Alors, est-ce que c'est d'actualité? Oui, parce que la grande difficulté pour la modernité, c'est de concilier l'exigence très très forte et accrue sans cesse des droits privés, des droits personnels, des droits à la liberté, dans sa pensée, dans sa vie, dans ses choix politiques, et l'absence de confusion. Et donc, cette difficulté, elle est accrue, mais c'est la même que celle que décrit Virgile en effet. Comment arriver à concilier l'ordre public sans perdre les libertés? Une question énorme. Oui, mais Virgile a fini par choisir l'ordre. Il a même chanté les louanges d'Auguste. Oui. Il pensait qu'il chantait la paix. Voilà. Il disait finalement, c'est pas plus mal. Voilà. On perd un peu notre liberté, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on a la paix, on ne s'entretue plus. Avec la paix vient le progrès économique, les agriculteurs sont repartis dans leurs champs plutôt qu'être enrôlés dans les armées. Les gens sont revenus chez eux, ils refont des familles, ils reconstruisent des villes, ils s'organisent dans une cité plus fraternelle. Et donc il avait cette idée qu'au fond, la civilisation a besoin de la paix. Donc, Virgile plutôt que Cicéron. Alors, Cicéron, il était anti-césarien parce qu'il était contre le pouvoir personnel. Mais c'était un grand orateur, mais c'était un piètre politique, somme toute. Il s'est beaucoup abusé. Et surtout, la génération avant, il n'a pas vu venir du tout le pouvoir personnel, il n'a pas compris. Et lorsqu'il a lutté contre l'apparition d'Octave, le futur empereur, le futur Auguste, en soutenant... tour à tour les uns et les autres, et finalement lorsque tous les grands chefs se sont mis d'accord, lorsque Marc-Antoine et César se sont mis d'accord et Octave se sont mis d'accord, ils ont éliminé une fois pour toutes Cicéron qui n'avait pas su choisir. Du profond de cette affaire. Cette période très tourmentée qu'a vécu, qu'a traversé Virgile et dans son œuvre témoigne, nous permet aussi de réfléchir sur un thème, je vais dire, très à la mode, très en vogue, le populisme. Une question, Xavier Darcos, les populares seraient-ils les ancêtres de nos populistes aujourd'hui, dans cette volonté qu'au nom du peuple, on voudrait imposer un pouvoir plus autoritaire, cette manière de critiquer l'élite? En tout cas, c'est là-dessus que se sont faits tous les mouvements politiques insurrectionnels. C'est Catilina et c'est César, se présentant comme les tribuns de la plèbe, ce qu'ils étaient d'ailleurs, parlant au nom du peuple, contre des élites et contre des aristocraties, des gens qui vivaient dans des très grandes familles très anciennes, dans des familles patriciennes, ils considéraient que le pouvoir leur était acquis à tout jamais. Donc il y a eu en effet ce qu'on peut appeler du populisme à travers des factieux, des gens qui montaient des mouvements contre l'ordre, mais généralement une fois qu'ils étaient au pouvoir, ils devenaient pires que ceux qu'ils avaient renversés. Et c'est bien ce qu'on leur a reproché. César, par exemple, qui au fond a répété ce qu'avait fait Catilina avant lui, c'est-à-dire a suscité une adhésion populaire à sa personne pour pouvoir petit à petit s'imposer sur la scène politique. Une fois qu'il a été au pouvoir, on a eu le sentiment qu'il devenait un monarque, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été assassiné, parce qu'on avait peur qu'il se fasse roi. Alors c'était peut-être faux, mais enfin. Donc, populisme, oui, mais manipulé par des ambitieux qui, une fois qu'ils ont été au pouvoir, ont peut-être oublié ce qu'ils avaient promis. Vous voyez que tout ça est tout à fait classique. Mais la révolution romaine, qualifiée par certains historiens de révolution démocratico-monarchique, mais on la voit presque partout aujourd'hui, c'est le peuple qui choisit, les peuples qui choisissent les extrêmes droites, les peuples qui choisissent les islamistes chez nous, on voit cela partout. Comment expliquez-vous cela? Les peuples qui sacrifient leur liberté, sur quel autel? Je vous félicite de citer la révolution romaine de Sir Ronald Syme, qui était un grand historien, un grand spécialiste de l'histoire romaine et de Tacite en particulier, qui a défini ce que vous venez de dire, en effet, avec des bonnes lectures. Cette question a beaucoup travaillé, en effet, les historiens, et notamment Tacite, qui disait, enfin, c'est quand même incroyable, chaque fois qu'on a donné un peu de pouvoir au peuple, parce qu'on a voulu jouer le jeu du peuple, au fond, ça s'est retourné contre lui-même. C'est-à-dire qu'il a souvent choisi les pires. Et il dit même à un moment, quand il y avait une élection,
la seule chose qu'on pouvait, dont on pouvait être sûr, c'est que la suite serait pire. Et donc, il y avait un scepticisme sur la capacité de la démocratie à produire le meilleur. Alors, cela dit, il faut s'entendre, la démocratie dont nous parlons chez les Romains, chez les Grecs, ce n'est pas le suffrage universel d'aujourd'hui, donc cette comparaison est tout à fait abusive. Mais cette idée que la démocratie sans la lumière, la démocratie sans la culture, c'est une fiction, est une idée très très présente dans la pensée des historiens romains, et que je crois juste. Il faut d'abord éclairer, avant de savoir ce qu'on en va penser. Or, la massification démocratique a souvent été plus rapide que la scolarisation, que l'éducation, que le respect des droits de l'homme, que sais-je. Et donc, ce que vous décrivez est en effet un élément de réflexion très fort chez Tacite. Mais le problème de l'étranger, du barbare, est un thème très présent dans les populismes actuels. Et vous voulez toujours rappeler cette romanité accueillante qui est un modèle basé sur l'assimilation. Est-ce la solution aujourd'hui pour régler un problème, par exemple, comme le problème des immigrés, de l'immigration qui est au centre des populismes actuels? Alors, en effet, la civilisation romaine, elle voyait des barbares, c'est-à-dire des gens qui ne parlaient pas la langue romaine. Le barbare, c'est celui qui baragouine, on ne sait pas ce qu'il raconte. Mais à cause de son expansion, à cause de la manière dont petit à petit l'Empire romain s'est imposé partout, depuis l'Écosse jusqu'au Maghreb et depuis l'Espagne jusque pratiquement aux portes de l'Indus, il fallait bien quand même s'adapter à ces nouvelles populations. Et le modèle romain, c'était plutôt de prendre ce que l'on trouvait sur place et de le mêlé de romanité, comme on dit le gallo-romain chez nous. Hein. Et donc, il y a cette idée d'assimilation. C'est une notion absolument centrale chez les Romains. Ça a été beaucoup montré par des historiens romains. Je pense en particulier au livre de Rémi Brague qui s'appelle « La voie romaine », où il explique ça très clairement. Il dit, au fond, le propre du romain, c'est qu'il prend un peu partout. Il prend des religions, il prend des rites, il prend des appellations, etc. Et donc, il n'y avait pas d'hostilité naturelle dans l'Empire romain à l'assimilation de ce que nous appelons aujourd'hui des migrants, des gens différents. Sauf si ça devenait un danger pour l'ordre public. Notamment, Auguste s'est insurgé à un moment contre l'importation de rites religieux, de mystères, de religions occultes, de magiciens, de mages, de sorcellerie toute nature qui venaient d'Asie. On se méfiait un peu de tout ça. Mais on était accueillants. Il y a eu très tôt des sénateurs gaulois à Rome, hein, il y a des sénateurs germains. On a fini par donner la citoyenneté à tout le monde. Était romain, quiconque habitait sur le territoire romain à partir de la fin du 1er siècle. Donc, cette question a été résolue par l'assimilation. Mais les chiffres et les situations n'étaient pas celles d'aujourd'hui non plus. Hein. Mais justement, cette assimilation peut-elle couvrir aussi les nouvelles pratiques religieuses auxquelles est confrontée la République et qui remettent sur le tapis des questions comme la laïcité, comme la loi de 1905? Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage « L'État et les Églises, la question laïque ». Non, alors ce qui doit être bien entendu, c'est que pour nous, comme pour Auguste, je viens de le dire, parce qu'Auguste s'est insurgé contre les religions importées, les religions à mystère, comme ils appelaient, c'était pour cette raison, le politique prime. La République, elle est laïque, elle est démocratique, elle ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte, et quiconque est en République a évidemment d'avoir le droit des opinions politiques qu'il veut, mais ne saurait imposer à la République tel ou tel comportement ou telle ou telle croyance pour tout le monde au motif de ses propres convictions. Donc c'est un sujet de débat en France, comme vous le savez, par rapport à certaines tendances communautaires qui voudraient à tout prix considère que les interdits religieux sont plus importants que les interdits politiques. Mais enfin, ça, ce n'est pas ce que les Français croient, ce n'est pas ce qu'ils acceptent. Mais
Ce genre de problème se pose d'une manière très concrète dans l'espace public, d'une manière très, très prosaïque, on va dire. Vous avez été ministre de l'Éducation, ça se pose à l'école, par exemple. Cette assimilation peut-elle est-elle applicable, par exemple, au menu de la cantine et à la question des accompagnatrices scolaires? Oui. Alors, en effet, nous avons eu beaucoup de questions à régler au coup par coup. J'étais plutôt, comment dirais-je, parmi les modérés, moi, dans toutes ces questions. Je trouvais que, par exemple, il y a eu un débat qui est revenu récemment sur le fait est-ce que des femmes voilées, enfin qui portaient, non pas complètement voilées, mais voilées, pouvaient être accompagnatrices scolaires. Moi, je disais oui, parce que si elles ont envie d'avoir un voile et si elles veulent concourir à l'action scolaire, on ne va pas les en interdire. Certains pensaient que j'avais tort. De même, il y a la question des cantines. Est-ce qu'on pouvait imposer à tout le monde, sans exception, un seul menu, en particulier avec des interdits alimentaires? Est-ce qu'on devait donner, par exemple, du porc à tout le monde, etc.? Moi, j'ai dit non. Il faut que les gens aient le choix. On n'oblige personne à manger ceci ou cela, mais il faut qu'ils puissent choisir entre deux ou trois plats. J'ai toujours été plutôt sur l'idée qu'il fallait lâcher un peu sur tout cela. En revanche, sur ce qui relevait du savoir objectif ou de la prééminence des lois de la République sur toute conviction religieuse, là, j'étais comme tout le monde, ou je crois comme tout responsable politique français, très intransigeant. On ne discute pas ce qui s'enseigne en classe. Les élèves qui se levaient, qui disaient au professeur, t'as pas le droit de dire ça, c'est pas vrai, etc., parce que tel ou tel prêtre m'a dit le contraire. Ça, c'est inacceptable. Les lois de la République ne le permettent pas, ou quand on interdisait aux jeunes filles d'aller aux écoles aux cours de musique, des choses comme ça, sous peut-être que c'était les dévoyer, ça non plus. Voilà. Donc, à la fois souple sur ce qui relève du comportement, des droits des gens à avoir une vie personnelle qui ne concerne qu'eux, et intransigeant pour ce qui est du respect de la République. Nous parlions de Virgile et d'Ovide, nous voilà à parler de menus de cantine scolaire. Votre passage à vous, le latiniste érudit vers le monde politique, s'est-il passé aussi fluidement? C'était en fait, contrairement à ce qu'on croit souvent lorsqu'on parle des politiques, ce n'était pas un projet d'enfance. Je n'avais pas une ambition politique depuis que j'étais tout petit. J'avais de l'ambition, tout court. Je ne conteste pas, je n'ai pas pu faire la carrière que j'ai faite sans être ambitieux de la même manière. Mais je ne pensais pas être ministre, non, je ne pensais pas à tout ça. Les choses sont venues. J'ai d'abord été élu localement dans ma ville, à Périgueux, j'étais maire de Périgueux, puis sénateur, puis ministre, puis voilà. Les choses sont venues parce que j'étais disposé à les souhaiter ou les accepter, mais ne relevaient pas d'un projet d'adolescent. D'ailleurs, heureusement, parce que je crois que lorsque on dit à 12 ans je serai Chateaubriand ou rien, ou je serai président de la République, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de déçus quand même. Donc voilà, les choses sont venues et j'ai été heureux en politique, mais je n'ai pas souffert de la quitter. Et je m'en rends compte parce que j'ai une femme un peu plus jeune que moi qui est actuellement sénatrice. Donc je vois la vie quotidienne d'une élue, elle est élue locale, elle est conseillère départementale, elle est sénatrice, elle est beaucoup sur le terrain. J'admire beaucoup son travail, j'ai beaucoup d'admiration pour ma femme en général d'ailleurs, et d'amour pour elle. Mais je pense que j'ai passé l'âge, je ne le ferai plus, vous voyez. Je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes et je suis content que je puisse passer à autre chose. Mais ce qui a pu interpeller, c'est que vous avez fait votre entrée dans la grande politique lors d'un mandat sarkozyste dont l'image un peu bling-bling ne correspondait pas du tout à votre profil. En fait, j'étais plus longtemps ministre de Chirac que de Sarkozy. Oui, mais vous avez été plus connu sous la Sarkozy, on va dire. Parce que Sarkozy cherchait des... L'idée, c'était de faire très peu de ministres. Il avait dit 7 ministres à l'origine. Après, ça s'est un peu augmenté. Et qu'il soit réputé, ou supposé, excusez-moi, ça paraît prétentieux, supposé, compétent dans leur domaine. Et généralement, on considérait que je connaissais assez bien la question scolaire pour avoir gravi tous les échelons, j'avais été tout ce qu'on peut imaginer dans ce ministère. Et donc, il m'a choisi, pas parce qu'on se connaissait, je connaissais très très peu, mais parce qu'il a dit, bon, il me faut un ministre qui connaisse le sujet. Voilà. Après, ça c'est un peu compliqué parce que on a fermé beaucoup de postes parce qu'il avait
des propos toujours très, très vindicatifs, et donc j'avais à gérer pas souvent des conflits dont je me serais bien passé. Enfin, j'étais très fier d'être ministre de l'Éducation nationale. C'était pour moi un moment très important. Vous n'avez pas de regrets par rapport à votre passage en politique, vous qui commencez votre livre Tacite par « L'homme n'est pas naturellement un être politique ». Bien sûr, nous ne sommes pas naturellement un être politique. Nous sommes naturellement amoureux, tristes, désirants, seuls, vacanciers. Mais nous ne levons pas en disant « aujourd'hui, je suis un politique ». C'est quelque chose qui se construit sans cesse et qui doit se construire presque contre la nature. Et donc, non, je n'ai pas de regret du tout. Je n'ai aucun regret de rien. Tout ce que j'ai fait, non, rien de rien, je ne regrette rien, comme chantait la chère Edith Piaf. Tout ce que j'ai fait, j'ai été heureux de le faire. Et en même temps aussi heureux de le quitter après l'avoir fait, parce que je considère qu'il y a un âge pour tout. Voilà. Et ce que je fais maintenant, par exemple, m'intéresse beaucoup, est très loin de la politique, et ça me va très bien. Pour en revenir à Rome, Xavier Darcos, une des leçons est, par exemple, qu'au fondement de la République est la morale, cette histoire de Lucrèce qui se fait violer, qui a précipité la chute des Tarquins. Une leçon pareille peut-elle être encore opérante aujourd'hui, vous qui avez appréhendé la politique de très près? Évidemment. Les drames moraux, ou les grands incidents, les grands accidents, sont des moteurs d'accélération de l'histoire considérables. Il y a un phénomène d'actualité actuellement aux États-Unis qui saute aux yeux. L'assassinat sous les yeux de caméras, d'un noir étouffé par un policier, a un effet politique beaucoup plus important que les primaires ou les caucus aux États-Unis actuellement. En France, la mort par une violence policière d'un étudiant qui s'appelait Malik Houssekine, à l'époque de Pasqua, a provoqué des séismes. Donc, bien entendu, un accident ou un scandale qui touche à la morale, qui touche à l'émotivité profonde, à l'abus de pouvoir, est un élément déclencheur très important, surtout aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux. Et donc, ça, de ce point de vue-là, je pense que les choses n'ont pas changé, que l'histoire de Lucrèce qui fait tomber la République parce que un roi prétendant à la royauté l'a violé, c'est une histoire fondatrice de la manière dont un scandale moral peut changer la vie publique. Vous appelez à une connexion morale avec les anciens, Xavier Darcos. Vous dites ceci dans Virgile: les anciens n'habitent plus la mémoire de ceux qui nous gouvernent actuellement. Ce qui frappe beaucoup lorsqu'on connaît le milieu politique, sauf exception, c'est que ce n'est pas le milieu dans lequel la culture générale est la mieux partagée. Pourquoi ? Parce que pour faire une carrière politique importante, il faut commencer très tôt. Et donc, il faut avoir à 20 ans déjà été militant, aller dans des réunions politiques, coller des affiches, suivre un leader, se passer ses week-ends à écouter des réunions. Et donc, au fond, ce temps est un temps qui n'est pas utilisé pour faire sa culture personnelle. Et donc, on est très vite dans l'action. Et donc, les hommes politiques de très grande culture, j'en ai connu, sont relativement rares. On vient de perdre, par exemple, Patrick de Bedjean, qui était un de mes amis, qui était un homme de culture absolument immense, mais c'était relativement, c'était pas le cas le plus général. Et quand j'ai été élu maire, mon père m'a dit ceci, cette phrase que je n'ai plus jamais oubliée, il m'a dit: ah, tu vas être maire de Périgueux, tu vas faire de la politique alors. Il avait été lui-même maire adjoint, donc c'est ce que c'était. Il m'a dit: tu seras tout le temps pris, mais tu ne travailleras plus. Et je me suis souvenu que il fallait éviter ça, il fallait pas être tout le temps pris, il fallait continuer à travailler. Il n'entendait pas travailler, lire, étudier, continuer à faire des... Et je crois que cette phrase m'a marqué et j'ai essayé d'en tenir compte. Mais la connexion à l'Antiquité, Xavier Darcos, peut aussi être utilisée comme un fondement de faux récits nationaux ou supranationaux. Pour fausser la conscience et fonder la barbarie. On a vu l'expédition d'Holger organisée par les nazis en 1941 vers le mont Athos. Les islamistes aussi jouent aujourd'hui ce jeu. Oui, on fait ce qu'on veut, évidemment, du passé, hein, parce qu'on parle pour lui. Bien entendu que la reconstruction de l'histoire a été un des éléments de la construction des totalitarismes et des fascismes. Ça, toujours. On
on est agi par un destin qui était avant nous et qui attend de nous qu'on fasse advenir une histoire nouvelle. Enfin, ça reste quand même relativement marginal dans l'histoire des hommes, où ce sont des grands événements qui n'ont pas tellement prospéré, au fond, qui ont fini par chuter par eux-mêmes. Mmh. Xavier Darcos, nous allons clore sur l'apothéose, comme vous la définissez dans votre dictionnaire amoureux de la Rome antique, cette transformation en Dieu, cette réfutation de la mort, cette crédulité. N'est-ce pas elle qui a présidé à cette manière dont a été gérée la Covid, je vais dire la Covid parce que l'Académie a dit qu'il fallait dire la Covid. Oui. Dont a été gérée la crise de la Covid. J'en ai parlé dernièrement avec Julia Kristeva, elle m'a dit toute la crise vient du fait que l'homme ne se savait plus immortel. Alors vous, l'immortel, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? J'allais dire la même chose que Julia Kristeva. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette période, c'est à quel point les gens ne pouvaient pas supporter l'idée qu'on puisse mourir. Sur les 25 000 personnes qui sont mortes, à peu près pratiquement la moitié sont mortes dans des EHPAD, dans des établissements d'accueil de personnes très âgées. C'est une horreur, évidemment. Je n'ai pas dit que tout cela était normal. Mais ce sont des gens qui étaient extrêmement âgés très souvent et qui sont morts. Et c'est pourtant là que le scandale a été le plus grand. Mais comment on laisse tomber nos anciens, on ne s'en occupe pas, on est en train de faire des procès aux directeurs de ces établissements en disant qu'ils n'ont pas été assez précautionneux. Peut-être, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand on est très vieux, on meurt. Voilà. Et nous n'avons plus l'idée que ce soit possible. Et donc, dans la panique qui a saisi les démocraties et dans leur acceptation, ce qui m'a beaucoup frappé en France en particulier, dans leur acceptation de mesures liberticides, pour parler clair, entre autres, très contraignantes. Vous ne sortez plus, vous mettez des papiers lorsque vous marchez, vous justifiez où vous êtes, vous n'allez pas là, vous n'avez pas ceci, etc. Moi-même, à mon âge, j'ai eu une contravention parce que je marchais sur l'herbe et non pas sur le trottoir à côté d'Arcachon. Il y avait un trottoir, puis j'ai marché sur l'herbe à 1 mètre et on m'a donné une contravention de 135 euros. Donc, on était dans un monde totalement fou de contraintes. Eh bien, si nous avons été capables d'accepter cette contrainte liberticide, c'est parce que nous ne savons plus mourir. Et je ne peux pas dire que j'ai beaucoup aimé cette période de ce point de vue-là. Xavier Darcos, nous allons nous quitter comme d'habitude en musique. Vous avez choisi Berlioz. Parlez-nous de votre choix. Que dit ce choix de vous? Alors, je l'ai choisi à cause de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire, je pense qu'il faut que nous sortions de ce côté sombre de ce confinement, de cette solitude, de cette peur que nous avons les uns des autres. Quand on se promène dans Paris, les gens sont masqués et accélèrent le pas lorsqu'ils croisent quelqu'un d'autre. Tout ça n'est quand même pas très réjouissant. Et donc, j'ai voulu célébrer l'appel à la saison nouvelle en donnant ce très joli et très célèbre premier morceau des Nuits d'été de Berlioz, quand viendront la saison nouvelle, qui est un morceau merveilleux, très entraînant, très, très heureux. Et puis, c'était une façon pour moi de rappeler que ma passion due à ma maman, de la mélodie. Merci beaucoup Xavier Darcos, ravi de vous avoir accueilli. C'est merci de nous avoir déconfinés si intelligemment. Je vous remercie de nous avoir suivis. À la prochaine déconfinade. Au revoir. Merci beaucoup.